Salut à tous. Alors lundi dernier, dans la nuit, a été annoncée la prochaine extension Elder Scrolls Legends. J'ai couvert cette annonce dans ma dernière vidéo. Si vous l'avez ratée, évidemment, je vous recommande d'aller rattraper tout ça le plus vite possible. Ça sort le 29 juin et on a déjà eu la révélation de quelques cartes, 5 exactement cette semaine, que je vais commenter aujourd'hui rapidement, vous donner ma réaction à chaud. En commençant par la première, Land Divided, donc une terre divisée, en français on dirait peut-être plutôt une nation divisée. C'est du jaune, 8 points de magie, une action évidemment. Remplissez la ligne de gauche de d'agresseur sombrage ou la ligne de droite de soldat colovien. Alors pour bien comprendre cette carte déjà, il y a une première étape importante, il faut savoir distinguer sa droite de sa gauche. Donc pour ça je vous donne un moyen mnémotechnique vraiment très très simple. Vous regardez vos mains comme ça, voilà. Et si votre main ressemble à Jean-Luc Mélenchon, allez consulter un spécialiste immédiatement. Concrètement, que sont les agresseurs sombrages? Alors d'après mes informations, ce sont des 2-1 avec charge. Et par contre, du côté des soldats coloviens, ça en est sûr, c'est exactement la même chose que ce qui est mis en jeu par l'incursion nocturne, c'est-à-dire 2-2. Avec garde. Au maximum, vous allez récupérer 4 agresseurs sombrages ou 4 soldats coloviens, puisque remplir une rangée, ça veut dire tout simplement vraiment mettre des exemplaires de la créature jusqu'à ce que la rangée soit pleine, que tous ses emplacements soient, remplis, quelle que soit d'ailleurs la taille de la rangée. Donc sur, en mode PvE ou en arène du chaos, quand vous avez voilà, de temps en temps des rangées qui font 6 voire 8 créatures, il y aura moyen de beaucoup plus s'amuser avec cette carte encore. Sur le papier, ça paraît pas inintéressant. Je suis pas complètement convaincu du côté charge en fait. Alors ça peut faire 8 points de dégâts, voire plus, 8 points de dégâts face directement, voire plus avec une ferveur divine. Donc à ce moment-là, on s'orienterait plutôt vers un deck croisé, moine aggro éventuellement, enfin quelque chose de plus agressif. Et évidemment, pour les soldats coloviens qui vont donc mettre 4, au maximum 4, 2-2 avec garde, vous allez avoir là quelque chose de beaucoup plus défensif. Alors notez que le choix des rangées n'est pas innocent, puisque quand même, les soldats coloviens avec garde vont aller dans la rangée de droite. Donc pour vous, celle-là, c'est la gauche, parce qu'en fait, ma caméra est inversée, mais dans la rangée de droite, dans la rangée d'ombre, donc vous permettront de jouer plus défensif, là où il y en a généralement le plus besoin, et par contre, les agresseurs sombrages, pardon, décidément, avec charge, iront eux dans l'autre rangée. La carte est pas inintéressante, ça a clairement un impact immédiat, ce qui est vraiment ce qu'on demande à une carte aussi chère. J'en pense plutôt du bien, c'est un gros effet. Voilà, on a d'un côté une sorte de double incursion nocturne, alors en moins bien, parce qu'une double incursion nocturne, déjà à prophétie, et puis divise quand même les créatures mises sur chaque rangée en fait, donc vous permettant de vous défendre simultanément des deux côtés, alors que là tout va être du même côté. Par contre évidemment c'est l'équivalent de l'effet de deux cartes en une pour le prix 2, hein. 2 pour le prix 2, c'est une promo, et en plus évidemment c'est en jaune, donc une couleur qui normalement n'a pas d'accès direct à l'incursion nocturne. Plutôt intéressant. Je vais pas encore m'aventurer à donner des notes ou quoi que ce soit, parce que voilà, on est... Généralement, ce genre de procédé est amené à complètement se casser la gueule très très vite une fois que ce sera testé en condition de jeu réel, surtout une fois qu'on aura vu l'ensemble de l'extension, qu'on pourra vraiment commencer à prendre la mesure de la direction générale du jeu, de ce que va être la nouvelle méta, les nouveaux decks, etc. Donc... ça me paraît prématuré, mais en tout cas, ça a l'air jouable. Ça a l'air jouable, à tester, intéressant. Ça pour l'instant pas l'air d'être un énorme meta breaker. Et d'un autre côté, c'est pas non plus complètement injouable. Alors en deuxième, on a Brynjolf, encore une légendaire. De toute façon, vous allez le voir, les 5 cartes révélées pour l'instant sont toutes des légendaires, une par couleur / attribut. Comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. Voilà, Brynjolf, 5 points de magie, 4-4, ponction. Quand une créature alliée chaparde ou ponctionne, gagnez un point de magie sur ce tour. Alors déjà, 4-4 ponction en vert, on peut dire qu'il a gagné le prix de Mister Nocule 2017. Il arrive un tour avant
La cambrioleuse. Après, contrairement à la cambrioleuse, il n'est pas capable de. Voilà, il va pas doubler en taille à chaque fois qu'il connecte avec le visage de notre adversaire et gagner une game à lui tout seul si, évidemment, il reste sur le board. Ce qui, vous le savez, dans le cas de la cambrioleuse, arrive environ une fois tous les 1000 ans. Par contre, donc là où son effet devient quand même vraiment intéressant, c'est que au moment où vous allez le jouer, si vous avez déjà des créatures avec chapardage ou ponction sur le terrain, vous allez directement pouvoir récupérer de la magie pour pouvoir rejouer immédiatement un drop à 1, 2, 3, peut-être 4, si vraiment vous n'avez fait que jouer des créatures avec ponction ou chapardage pendant toute la partie. J'aime bien la carte. Bon, immédiatement, on se dit que 4 points de vie, ça fait un autre aimant à Lightning Bolt. Hein. Clairement, le seuil des 4 points de vie à Elder Scrolls Legend est un seuil absolument crucial pour une créature, puisque. Passer de 4 à 5, c'est la différence entre mourir sur un éclair ou pas. Et du coup, l'éclair sert un petit peu de maître étalon, comme ça en termes de removal et en termes de taille arrière, de taille de fesseps d'une créature. Donc dans un deck chapardage, ça peut. Dans un deck chapardage, traditionnellement, a tendance à être quand même plutôt aggro. Donc est-ce que vous avez vraiment besoin de la ponction, c'est débattable, ça peut vous permettre de faire la course contre un autre deck aggro. On notera évidemment que Brynjolf a ponction lui-même, donc il active lui-même sa capacité à partir évidemment du tour suivant quand il pourra attaquer, donc il pourra quand même vous servir de pseudo rampe, pseudo accélération de mana, on va dire, vous faire passer éventuellement directement de 5 à 7 Magicka sur un tour. Sur le tour où vous allez le jouer, vous allez potentiellement pouvoir récupérer directement de la Magicka et jouer par exemple un drop à 2 que vous aurez en main, donc gagner comme un swing de tempo intéressant. Après, ça veut dire qu'il faudra avoir les cartes en main à jouer, il faudra avoir les ressources. Traditionnellement, les decks moines aggro chapardage ont tendance quand même à assez vite se vider de leur main, mais bon, T5 voire T4 avec un anneau, c'est pas si loin dans la game. J'aime assez, c'est avoir la. Je suis pas complètement certain que la carte ait assez d'impact immédiat pour être vraiment incroyable, mais ça va être à tester. Voilà, encore une fois, je ne veux pas trop m'avancer sur la qualité des cartes, ça n'a pour l'instant pas vraiment d'intérêt, j'en suis pas encore à vous conseiller voilà quelle carte crafter en priorité, etc. On est bien 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 loin de tout ça. Encore une fois, il faut attendre d'avoir vu l'ensemble d'un set, ou du moins en avoir vu une grande partie, pour se rendre compte de la qualité réelle d'une carte en condition de jeu par rapport voilà à l'ensemble de ce qui est disponible. Mais j'aime bien aussi. Il y a moyen d'en faire des choses. Troisième carte révélée, encore une légendaire unique. Donc l'Académie de Fort Divers. Voilà, si j'ai une petite hésitation, c'est que je ne vous cache pas que j'ai dû Google absolument toutes les traductions françaises des noms de Skyrim, parce que je n'ai absolument jamais joué au jeu en français. 5 Magicka, c'est une carte, 5 points de magie, pardon, c'est une carte de support avec 3 utilisations. Activez-la, révélez 3 actions qui coûtent 1 point de magie au hasard et choisissez-en une, piochez-la. Et ensuite, augmentez le coût des cartes révélées de cette façon de 1. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Vous allez jouer l'Académie, la mettre en jeu, l'activer. Le jeu va vous présenter 3 options, 3 actions. Un point de magie parmi toutes celles disponibles dans le jeu, y compris en dehors du bleu, j'imagine, en tout cas, ça paraît très logique. Vous en choisissez une, vous la piochez. La première prochaine fois que vous allez utiliser votre carte de support, vous aurez le choix entre des actions qui coûtent 2, puis 3. Après, si avec diverses synergies, vous augmentez le nombre maximum d'utilisations possibles pour votre carte de support, voire même que vous le jouez en combinaison. Excusez-moi, c'est un petit peu la folie dehors, que vous jouez en combinaison avec la carte dont le nom m'échappe là tout de suite, mais qui vous permet d'utiliser vos supports de façon illimitée. Vous pouvez très bien monter à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah! Alors, d'ores et déjà, c'est intéressant parce que c'est un moteur de pioche, de pioche directe, de carte d'avantage direct. Il y en a assez peu dans Elder Scrolls Legends. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a assez peu de cartes dans ce jeu qui vous permettent de piocher immédiatement plusieurs cartes en une. Alors évidemment, c'est une volonté des développeurs pour maximiser, on va dire, l'impact des runes et faire que le cassage de runes soit le principal moteur de pioche. On a quelques exceptions, comme par exemple le Jarl Triomphant, qui est d'ailleurs une des très 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 bonnes cartes du jeu. Il a été nerfé 2 fois pour cette raison. Mais voilà. Alors immédiatement, on a envie de comparer cette carte à l'Orbe de Vermina, qui pour un point de magie de plus
elle, vous fera piocher des cartes du deck de votre adversaire. J'ai envie de dire que généralement, cette carte est bien mieux que l'Orbe de Vermina, vous me direz, heureusement, parce que l'Orbe de Vermina, c'est quand même pas la folie. Autre chose, notez bien aussi que ce seront spécifiquement des actions. Ce seront des actions aléatoires, soit, mais ce seront forcément des actions. Donc évidemment, qui dit action dit même une multitude, j'ai envie de dire. Une multitude de combos avec, avec voilà, les Hexmage, avec les decks, le squelette, on va dire, d'un deck assassin action, d'un deck mage action. Enfin voilà, plein de choses. Peut-être un deck OTK au gardien des secrets. Enfin, il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Alors, c'est une légende héroïque, donc ça va être difficile de construire un deck entier autour, mais par contre, ça pourra très très certainement venir voilà, s'intégrer dans beaucoup de decks qui peuvent se le permettre. Évidemment, des decks qui ont un plan de jeu plutôt orienté vers le late game ou vers des combos. J'aime bien, l'artwork en plus est absolument, mais alors absolument magnifique. J'ai hâte de le voir en version premium. Voilà, écoutez, c'est ce que j'ai à en dire pour l'instant, évidemment. Encore une fois, quand on en verra plus, j'en saurai plus et je vous en dirai plus. Alors, on passe maintenant à la carte violette. Violet, l'endurance. Comme c'est la tradition pour cette couleur, la carte coûte un bras puisque ça vaut 8 points de magie. Donc, dragon squelette, dragon squelettique, je ne sais pas exactement. 5-5, garde, invocation. Donnez à toutes les créatures dans votre pile de défausse plus 2, dans votre pile de défausse. Et dernier souffle, piochez une créature aléatoire de votre pile de défausse. Donc là, c'est clairement une carte qui se destine, pardon, mais qui se dessine aussi, hein, puisqu'il y a un artwork, une carte qui se destine donc à venir renforcer le thème réanimation qui commence à être, mine de rien, par petites touches, de plus en plus développé. Titre personnel, j'en suis très 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 content parce que voilà, pouvoir jouer avec sa pile de défausse comme ressource personnelle, ça fait vraiment, voilà, ça rajoute vraiment une pléthore d'options. C'était un thème qui était assez courant, par exemple la Magic que j'ai beaucoup pratiqué et j'aimais beaucoup ces decks-là. C'est quelque chose qui n'existe pas, par exemple à Hearthstone pour ne pas le citer. Alors après, voilà, 5-5 pour 8, encore une fois. Pour ce prix-là, la carte a quand même intérêt à avoir un sacré impact immédiat, ou alors il faut être vraiment vraiment déjà loin devant sur le board pour pouvoir se le permettre. Alors, elle a quand même garde, donc on peut parler d'impact immédiat dans ce cas-là, elle aura une vraie fonction défensive. Ensuite, évidemment, son effet d'invocation aura tendance à ne pas avoir d'impact immédiat, puisque buffer les créatures dans votre cimetière n'aura pas d'intérêt tant que vous ne pouvez pas les ramener. Pour l'instant, il y a quelques moyens de le faire. Le nécromancien du ver noir, le champ de tombe, le squelette dragon qui lui vous fera piocher une créature aléatoire, hein, notez bien, et la carte d'Épervine, je ne sais plus, enfin 3-3 pour 4 en violet qui est sortie dans la confrérie noire et qui elle a pourfendre, quand vous pourfendez une créature, quand vous tuez une créature pendant votre tour, vous pouvez directement ramener de votre pile de défausse une carte, une créature de votre choix en jeu dans la rangée où est située. On va l'appeler Jean-Michel d'Épervine pour aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est pour le coup c'est vraiment une carte dont l'intérêt va entièrement en fait dépendre des autres options disponibles, on va dire, qui rentreront en synergie, qui resteront dans la même thématique. Dans l'état actuel des choses, le deck réanimateur est un deck qui est très 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 sympathique, qui compte vraiment, il marche extrêmement bien, mais par contre, ça reste quand même assez difficile de pouvoir ramener, quand on le souhaite, des créatures et de pouvoir vraiment lancer le moteur, lancer la combo, entre guillemets, si vous voulez. Puisque dans le cas de Jean-Michel d'Épervine, il faudra que Jean-Michel survive et puisse détruire une créature pour fendre pendant votre tour. Dans le cas du nécromancien du ver noir, il faudra être devant en point de vie au moment où vous le jouez, et en plus de ça ramènera une créature aléatoire. Dans le cas du champ de tombe, là, ça coûte pas juste un bras, ça coûte les deux, c'est 10 Magicka. Dans le cas du dragon squelette, ça reste assez cher, et si vous contentez de piocher la carte et de la ramener dans votre main, effectivement, vous générerez pas mal de value, parce que la créature que vous rejouerez aura plus 2, et en plus, évidemment, vous aurez gagné une carte gratuite. Mais donc là, on se dirige quand même vers du très très late. Donc si ce thème de réanimation, on va dire, est ne serait-ce qu'un tout petit peu renforcé, devient compétitif, je peux complètement imaginer le squelette dragon en faire partie, voire même devenir une des cartes absolument cruciales du deck. S'il n'y a absolument aucun ajout
aucune autre option qui n'est disponible, aucune nouvelle option qui n'est disponible dans ce thème. Je ne sais pas. A priori, je dirais que c'est quand même un petit peu lent. On peut imaginer, voilà, en scoutrant, mais en scoutrant, vous avez déjà énormément d'options à 7 Magicka et plus qui auront tendance à toutes avoir plus d'impact ou de valeur immédiate. Mais bon, à voir, encore une fois, voilà, je réserve mon jugement. La carte est définitivement intéressante. Elle donne envie d'être testée, elle donne envie de théorycrafter, elle donne envie évidemment d'en voir plus. Dernier, mais pas le moindre, comme le diraient nos amis anglo-saxons, Ulfric Stormrage, 5 points de magie, 6-5, percé. Quand vous jouez un cri, piochez un nordique aléatoire, mais de votre deck. Alors, d'ores et déjà, là on est dans Skyrim, on y est, c'est vraiment une icône du jeu. En parlant de ces stats, voilà, 6-5 pour 5 points de magie, ce sont des stats tout à fait décentes, un peu au-dessus de la moyenne. Percer, c'est toujours sympathique, ça permet de mettre des baffes. Évidemment, on en arrive à l'aspect le plus important de la carte, son effet, quand vous jouez un cri. Alors, les cris, pour l'instant, on n'en a vu aucun. Par contre, on sait déjà en quoi va consister leur mécanique. J'en ai parlé l'autre jour dans la vidéo qui présentait un petit peu voilà, l'annonce de la nouvelle extension. C'est très simple, en fait, les cris vont gagner en puissance au fur et à mesure que vous en jouez des copies. C'est-à-dire que la première copie de la carte aura un effet basique. La deuxième copie que vous piocherez et jouerez aura un effet amélioré, amplifié. Alors amplifié à quel point, on ne sait pas encore, évidemment, c'est le grand point d'interrogation. Et quand vous piocherez la troisième et dernière copie de la carte, évidemment, là, vous aurez l'effet maximum. Ensuite, donc, ça vous permettra d'avoir une espèce de moteur de carte d'avantage, de moteur de pioche comme ça, qui fera du bien à cette couleur qui est un petit peu limitée de ce côté-là, en dehors, encore une fois, de la présence de l'excellent... Excellent Jarl Triomphant, qui là encore est à nouveau en plein dans le thème Skyrim, en vous permettant d'aller chercher un nordique aléatoire, soit, mais de votre deck. Donc ce sera de la variance contrôlée. Je ne vais pas lister ici tous les nordiques disponibles du jeu. Si vous êtes curieux, vous pouvez vous-même, dans le client du jeu, taper dans la barre de recherche nordique et voir un petit peu par vous-même. Vous verrez qu'il y a une pléthore vraiment d'options intéressantes. J'aime beaucoup cette carte, vous le savez, j'ai évidemment beaucoup d'affinités avec cette couleur dans Elder Scrolls Legends, avec le rouge, mais pas seulement là, je trouve vraiment l'effet sympathique. Évidemment, encore une fois, sa jouabilité va complètement ici dépendre de la jouabilité, de l'intérêt, des cris en eux-mêmes, et encore une fois, de ce côté-là, pour l'instant, on n'a absolument rien vu, mais du coup, ça donne vraiment, vraiment envie d'en voir plus. Il est évident qu'on ne va pas jouer la carte uniquement pour ses stats, même si elles sont plutôt bonnes. 6-5 percées pour 5, ça ne justifierait probablement pas une place dans le deck. Donc il va falloir attendre, et j'attends avec impatience pour le coup. Voilà, on a fait le tour de ces 5 premières cartes des héros de Skyrim révélées. Encore une fois, ça sort le 29 juin. Bien entendu, d'ici là, on aura beaucoup d'autres révélations, et bien entendu, elles seront couvertes sur cette chaîne dans la mesure du possible. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et toute cette sorte de bonnes choses. Nous, on se retrouve du lundi au vendredi de 20h à 23h sur twitch.tv/santosvela et ici sur YouTube très bientôt pour une prochaine vidéo au moment d'une prochaine annonce ou une nouvelle sélection de decks en ce qui concerne justement les Mercrelists. J'ai un petit peu laissé de côté, on va dire, cet aspect de ma production, mais bien, bien, bien évidemment, je les reprendrai au moment de la sortie d'Héros de Skyrim, quand on aura une refonte, un bouleversement comme ça de la méta, en sélectionnant pour vous mes decklists préférés, en vous permettant de démarrer directement du bon pied. Merci à tous et à la prochaine.